Saturne. Alors, donc maintenant, on va où? On va à la maison. C'est pas comme ça qu'on commence une vidéo. Je suis désolée, mais je recommence. Bien, nous, on y va. Fais un peu la salutation d'abord. Bien sûr. Bien, nous, on va où? On va où? On va à la maison de notre putain. D'accord, ça là, je vais mettre ça de les bêtiser. De les bêtiser, c'est que tu as dit là. Voilà, montage. Bienvenue à Agadez, la ville historique, la ville emblématique d'Agadez vous accueille. En ville au Niger, vous devez visiter cette ville. Salut, salut. Alors, je suis encore à Agadez. Je suis venu pour un nouveau vlog. Là, je suis à l'hôtel des Lois. Vous voyez, c'est très joli. Je vais vous montrer ma chambre. Alors, là, je vais venir me reposer un peu. C'est le mois de Ramadan. Donc, je vais profiter de la fraîcheur. Après, je ne sais pas ce que je vais faire. Je vais partir visiter la ville, vous montrer d'autres endroits. Parce qu'il y a tellement de choses à voir ici à Agadez. C'est pas la première fois que je viens, c'est ma deuxième fois. Et là, je voudrais faire un vlog spécialement centré sur la ville d'Agadez. J'ai déjà pris contact avec des guides qui vont me montrer les endroits à visiter. C'est quoi cette tête bizarre? Je suis fatigué, mes yeux sont rouges. Gêné et voyagé là. Je vous assure, ça va pas ensemble tout le temps. Ce matin, j'étais plein d'enfants. Là, on dirait qu'on m'a tabassé. Heureusement qu'il se presse l'heure de la dalle, de la rupture. On va attendre un peu. Je vais manger mes dattes. Là, je sors. Je sors pour un peu visiter la ville avec des amis. Je vais monter dans Adedeta. Donc, je vais monter dans Adedeta. Ah, ça a déjà monté. Et le chauffeur s'appelle Mani. Et je suis la guide contre. Là, je suis venu manger une domine. Qu'est-ce que je trouve ça? Regardez mes yeux, waouh! Je ne sais pas si je vais faire ou bien c'est juste. Hello, hello, hello. Là, on est parti pour une petite visite dans la ville d'Agadez avec mon guide Yami qui est en train de démarrer la voiture là-bas. Donc, on va faire la visite dans la vieille ville. Allons-y, d'accord. C'est une maison qui a quoi? Ça c'est la maison de notre vital. La maison de notre vital, c'est ce qu'on appelle selon l'architecture maintenant crash, scratch. C'est une architecture entre l'architecture et la sculpture. C'est ce qui fait crash. Donc c'est le Suisse, notre vital, qui a conçu ça pour montrer. Insolite. Moi j'aime pas les chiens. Si tu as peur des chiens.
Je n'ai pas compris, on va monter oui. Par là. Oui. Non, c'est bon, je vais monter. Du coup, je vais monter. C'est le truc, ça. Ouais, je monte. Même moi, personnellement, j'ai jamais wow. Ouais. Attention. C'est difficile. Wow. La vue. C'est difficile. Hein? Ah ouais. passe le téléphone, il ne faut pas que ça va tomber. Ah. C'est la même chose. Ah, ah monsieur Harry, le bon pour l'arrivée. Harry, on va aller revoir. On y va. Donc c'est ici que Harry Bat a habité. C'est la maison là. Wow. Depuis 1850. 1850. Vous avez vu sa porte là, la seule porte là, on a entré. Ça, c'est le prochain. Hein. De quoi? Je suis dans la maison de Harry Bart. Bon, déjà, je l'ai dit. Wow. 1850. En fait, c'est des caisses. En réalité, c'est des caisses. Par exemple, mais c'est la même chose, c'est la valise. Et ça fait, c'est avec ça qu'on fait le transport avec les chameaux. Maintenant, quand les gens voyagent, comme auparavant, les gens voyagent, c'est des ménages. Donc, c'est. Malade. Mais ça, c'est pas pour lui. Hein. Ça, je sais pas. Il y a des choses des fois qu'on aménage un peu quoi, pour lui, parce que c'est un peu plus. En fait, j'ai. Même ça, ça a l'air d'être en 1820. Parce que tu sais, en fait, il y a des choses. Lance, on va voir. Je te lance ça. Il y avait un vieux. Ah! Il y avait un conjuré qui suivait toujours le vieux à sa fada. Il a tout fait, il a même acheté. C'est du bon écran. Et Anna, c'est ça qui est fort. Ça, c'est l'ancien abattoir. Ok, ici là. C'est le premier abattoir de la maison. Le premier centre en Afrique, classé centre historique. En Afrique de l'Ouest, je pense au Niger et le seul. Ce classement s'est justifié avec cette architecture que vous voyez. Architecture appelée architecture soudanaise qui existe en Afrique depuis 1515, ça fait 5 siècles. Donc tu vois un peu, c'est des maisons qui ont une architecture un peu particulière, fait à la base de l'argile en bongo qui résiste malgré le changement climatique, qui s'adapte avec l'environnement. Et nos ingénieurs maçons ont pu faire des génies, des maisons. Voilà. Mmh.
aussi au niveau du restaurant MKO, c'est ça. Il y a un truc là chez les Pépés que je voulais tester depuis longtemps là. On l'appelle ça mountain tardi. Je veux voir à quoi ça ressemble. Je vais rien goûter. Là, je veux voir. Non, apparemment, on dit c'est leur spécialité là. Je veux voir à quoi ça ressemble. C'est ça la sauce tardi. Hein. C'est à base de mouton tardi. C'est à base de mouton. Très basique. Bon appétit. Voilà, on dit femme qui ne peut pas manger, qui ne peut pas finir à cette. Voilà, elle est la finie. On ne peut pas la marier. Voilà. Diafoy. Bon, retournons à la maison. Voilà, il est nouveau. Voilà. Ah, les gars, je vous assure, à Gadez, là, il ne faut pas venir. Hein. Quand on vous dit qu'il fait chaud, là, voilà, c'est pas vrai. Je vous assure, ici, là, on est en train de cailler. Voilà. On n'accueille même pas d'abord. Moi, je ne parle pas trop. La ville parle d'elle-même. Le climat parle de lui-même. Elle, c'est Fagida. Oui, c'est moi. Elle est native de Gadez. Malika. Native de Niamey. Voilà. Bon. On y va, on avance, on va. Donc ici là c'est quoi? Derrière là. Ici c'est la maison de notre vitale. Non, ce qui est derrière nous, le truc. Donc là ça c'est une architecture qu'il a essayé de faire comme la grande mosquée quoi. C'est donc la petite. Ah la ok. En tout cas il a essayé. Donc là-bas c'est la formule Kibu Kapkat, ils appellent ça quoi. Non, là-bas, là, je vais monter dedans. Là-bas, c'est pour regarder la lune. La lune? Je vais vous montrer ça. C'est ça le truc. Quand tu montes là-bas, là-bas, tu peux voir la lune. Quand on dit que... Non, tu vois, on dit quand on monte là-bas, on peut voir la lune. Mais qui va venir la nuit pour voir la lune ici? Ma vidéo, j'ai pensé tout à l'heure avoir appuyé, mais j'ai pas appuyé. Bon, bref, on dit quand tu es ici dans ce cycle là, lorsque c'est gris, ça sort pas de ce cycle. Et j'ai essayé, c'est vrai, je vous assure, c'est dingue, c'est magique. Ouh! Ça résonne dans mes oreilles, quoi. Ça sort pas, mais comment il a fait ça, le gars? C'est il est quoi, les scientifiques? Bon, le défi. Je me lance le défi d'escalader. Ding, 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 ding. Il se maîtrise pas. Oh. Faut pas regretter, hein. En fait, le truc, c'est quoi? Comment je vais descendre? La descente est super facile. Bon, deuxième défi, ça, je vais monter. Badou, ça va?
maintenant là, on va visiter la mosquée. On est fatigué. La mosquée 15-15. On a vu ça, mosquée 15-15. Salam alaikum. Vraiment, on est très fatigué. Regardez par où on va rentrer. Je serai en mode explorateur. Waouh! Non, on doit marcher comme ça. Oui. Ça va. Ne soulevez pas la tête, hein. C'est quoi ça? Quoi? C'est les chauves-souris. C'est pour cela que je ne vais pas lever la tête. Voilà, bien. Faut pas les dire ce qu'il est beau. Je vais m'écarter comme ça. Mais wallah, tu vas faire vertige si tu fais pas attention. Nous sommes au sommet de l'Himalaya. Il y a des crépissages. Donc le rituel de crépissage se fait chaque 4 ans. Chaque 4 ans. Chaque 4 ans. Ça c'est tout récemment qu'on a fait ça. Bon. On est 9 portes. J'ai fait ma dernière salle. Ah ouais. Ok. Merci beaucoup bien. Ah merci. Merci bien. À nous retrouver, Inch'Allah. Merci. Ouais. À la guerre.